Voilà, c'était une ouverture brillante pour cette émission. C'était le final de la sonate pour trompette, évidemment, en ré majeur de Telemann, que nous interprétait, vous l'avez reconnu, Maurice André, et l'ensemble orchestral de Normandie, dirigé par Jean-Pierre Berlingen. Alors, nous nous trouvons dans une petite église d'un village qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Rouen, dans l'Eure. Il s'appelle Écouy, ce village. L'église s'appelle la collégiale Notre-Dame de l'Assomption. Et c'est là que Maurice André a choisi de nous recevoir, puisque vous avez vu le titre de l'émission, c'est Le bon plaisir de Maurice André. C'est-à-dire que c'est une émission dont il a choisi les œuvres, les interprètes, ses amis, ceux qu'il aime, et qu'il nous offre, qu'il vous offre. Alors merci Maurice, puisque c'est un cadeau que vous allez nous offrir pendant une heure. Oui, déjà faire de la musique, c'est déjà un plaisir. Alors faire de la musique avec des amis comme l'Orchestre de Normandie et ses enfants, et pour M. Alain Duhaut, c'est un grand plaisir et de l'amour. Eh bien merci. Alors, vous l'avez dit, vos enfants, puisque nous allons entendre Béatrice, oui, qui joue du hautbois, et puis Nicolas, qui a pris vos traces, a suivi vos traces. Oui, il travaille dans ce sens. Il travaille la trompette. Les deux travaillent très sérieusement dans un conservatoire de la rue de Madrid. Avec qui, je crois ? Avec Jaboulet, le hautbois, Béatrice. Et puis, Guy Touvron, qui est un excellent trompettiste, qui fait une carrière internationale, le meilleur de mes élèves. Alors, vous les avez emmenés, d'ailleurs, je crois, Nicolas et Béatrice, dans la récente tournée que vous venez de faire précisément avec l'ensemble orchestral de Normandie en Allemagne. Ah, exactement, on a fait une tournée en Allemagne, c'était de l'amour et le public ne s'y est pas trompé. Les critiques ont été fantastiques parce que, naturellement, c'est toujours très, très difficile de présenter ses enfants, les enfants de Maurice André, mais ils savent très bien que j'aime la qualité, que j'aime le travail. Vous savez, comme ils appelaient ça, ils appelaient ça, attention, si papa prend la gomme à effacer le sourire, ça veut dire qu'il faut qu'il travaille énormément. Oui, en fait, ça vous ramène à votre enfance, une enfance où le travail était une valeur importante. Mais j'avais moins de mérite, moi, parce que j'étais mineur de fond, comme beaucoup de Français le savent. Et j'avais moins de mérite parce que tous les jours, je faisais ça pour trouver la bonne corde pour me sortir. Ils sont dans une ambiance très ouatée, alors il faut qu'ils travaillent beaucoup plus. Alors, on va vous entendre avec Nicolas. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec son fils, précisément le même instrument ? C'est un plaisir énorme. On a plus de trac pour jouer avec son fils que de jouer tout seul, en tout cas, en ce qui me concerne. Et c'est normal, parce que jouer avec ses enfants, je vous dis, c'est fantastique. Vous retrouvez en lui les difficultés que vous avez eues au début Oui, je trouve que maintenant, depuis 6 mois, Nicolas travaille très 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 bien et il est dans la bonne voie. Jusqu'à présent, j'étais très 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 dur avec, c'était un petit peu à côté, ça se promenait. Maintenant, ça part bien. Alors tout de suite, on entend Nicolas et vous-même, Nicolas André et Maurice André, l'ensemble orchestral de Normandie dirigé par Jean-Pierre Berlingen, le deuxième mouvement du concerto pour deux trompettes de Vivaldi. Thank you.
voilà, après Nicolas André et Maurice André, nous allons maintenant découvrir Béatrice André et Maurice André. Alors, on va vous découvrir Maurice avec votre fille, mais cette fois, c'est un petit peu différent, parce que ce n'est pas le même instrument. Elle joue, vous nous l'avez dit, du hautbois. Elle a choisi le hautbois, oui. Elle a choisi le hautbois parce qu'il fallait dire, il faut avouer, c'est une famille de trompettistes. Hein. Mon oncle était trompettiste, papa trompettiste amateur, avec sa carrière de mineur de fond. Mon frère est professeur à Nîmes, moi trompettiste. Donc Nicolas, elle en a eu assez, oui. Elle a dit, ras-le-bol, je vais prendre un autre instrument. Et elle a pris un instrument qui, à mon avis, est l'instrument le plus romantique. Le hautbois, c'est romantique, c'est virtuose. Par ses couleurs. C'est un instrument que j'adore, Mais alors, là encore, il se pose un problème de mélange des sonorités, on va s'en rendre compte là, mélange de sonorités et réponse, puisqu'il y a un très joli jeu dans cette pièce de Scarlatti, vous allez nous interpréter. C'est très difficile, l'original est écrit pour une soprane, et Béatrice va jouer la partition de soprane et de la trompette originale. C'est un aria qui est très très bien construit d'ailleurs, vous allez pouvoir juger vous-même. Je crois d'ailleurs que vous venez de l'enregistrer récemment. On vient de l'enregistrer pour EMI, Londres, EMI, Pathé Marconi, Londres. Alors le disque va sortir bientôt. Le disque va sortir d'ici 7-8 mois, quoi, le temps d'une grossesse. Et ce disque a été gravé aussi avec l'Orchestre de Normandie, avec qui j'ai un plaisir énorme de jouer. Eh bien nous on a plaisir à le retrouver. Alors en avant-première de ce disque, donc Béatrice André, et Maurice André, bien sûr. L'aria de Scarlatti, l'aria pour hautbois et trompette, avec l'orchestre, l'ensemble orchestral de Normandie, dirigé par Jean-Pierre Verlinghen. Voilà, on retrouvera Béatrice tout à l'heure, ainsi que Nicolas en soliste, mais tout de suite, eh bien, on retrouve notre invité, celui
qui nous accueille plutôt, puisque c'est le bon plaisir de Maurice André, cette émission. Maurice André qui va nous interpréter le deuxième et le troisième mouvement du concerto pour trompette de Vivaldi, un des 478 concertos signés Vivaldi, même s'il n'était pas directement écrit pour la trompette, puisque vous savez qu'à l'époque de Vivaldi, on pratiquait beaucoup l'art de la transcription, du passage d'une œuvre d'un instrument à un autre, voire même d'une tessiture à une autre. L'essentiel, c'était de conserver ce sens mélodique que vous allez entendre maintenant avec Maurice André et l'ensemble orchestral de Normandie, toujours dirigé par Jean-Pierre Berlinghen.
Alors maintenant, Maurice, on va faire une pause, du moins vous allez faire une petite pause, et on va écouter Béatrice. Béatrice interpréter l'andante du concerto de Telemann, dont on entendra tout à l'heure le dernier mouvement, concerto pour deux hautbois, trois trompettes, magnifique concerto et timbales, magnifique concerto de Telemann. Oui. Mais puisqu'on va entendre Béatrice seule, je voudrais que vous m'en parliez, je dirais comme si elle n'était pas votre fille. Vous, en tant que musicien, écoutant un autre musicien, une musicienne, quelles sont les caractéristiques de sa sonorité et de son jeu? Béatrice est une artiste naturelle dans la vie et tout, mais alors comme beaucoup d'artistes, elle ne travaille pas assez. Maintenant, elle a pris goût parce qu'avec toutes les tournées que je fais en Allemagne, avec le plaisir qu'on a de jouer avec l'orchestre de Normandie et tout ça, elle commence à prendre goût. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a entendu tout à l'heure ensemble dans une pièce qui était une pièce de virtuosité, et là on va entendre le son de Béatrice dans le chant précisément, dans l'andante. Avec ce merveilleux instrument qui est le hautbois. Magnifique. On retrouve donc tout de suite Béatrice André. L'ensemble orchestral de Normandie est toujours là, bien sûr, sous la direction de Jean-Pierre Berlinguen. Et vous allez entendre la poésie de cette andante du concerto de Telemann. Après Béatrice Nicolas, qu'on va entendre dans le deuxième mouvement, encore un andante du concerto de Haydn, je vous pose la même question. Là, c'est, je dirais, presque plus difficile, puisqu'il est trompettiste, comme vous, d'une certaine manière. Si vous le voyez, alors, pas comme père, mais comme un autre trompettiste, comme un rival, comment vous le jugez? Et moi, en tout cas, je peux lui donner plus de bons conseils qu'au hautbois, parce que je ne suis pas hautboïste, comme je suis trompettiste, je connais tout ce qui se passe intérieurement du corps, car c'est une respiration intérieure et qu'on ne peut pas régler avec, avec les élèves. Alors je connais très, très bien tout ça à fond, mais Nicolas c'est pareil, il commence à mordre, puis bien, très sérieux. Je vois avec Guy Touvron, il est très content de lui, et je vois, je sens qu'il a monté deux ou trois étages, et il est très sérieux, alors lui il est très sérieux pour son travail. Donc c'est tout à fait de nature, hein. Les enfants, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a le même père. Vous le faites travailler directement? Je le fais de travailler de temps en temps, mais je fais confiance absolument à Guy Touvron. Donc Nicolas André, avec l'ensemble orchestral de Normandie, toujours dirigé par Jean-Pierre Berlinguen pendant toute cette émission, c'est avec eux que nous sommes bien sûr, comme avec Maurice. Il nous interprète le deuxième mouvement du concerto pour trompette de Haydn. Je dis le concerto pour trompette puisqu'il n'en a composé qu'un seul. C'est une œuvre qu'il a composée à la fin de sa vie, en 1796, et qui est d'ailleurs sa dernière œuvre orchestrale.
avez apporté un certain nombre d'instruments tout à fait, ça, d'abord qui sont très beaux. C'est passionnant. Mais je voudrais que vous m'expliquiez ce que sont ces instruments et en quoi ils vous concernent, puisque je crois que c'est une manière d'élargir votre passion. Oui, naturellement, je suis un homme qui aime beaucoup s'occuper à tout, à tout. Je fais beaucoup de sculptures, je construis des garages, des petits bancs. Et puis là, alors, voyez, il y a quelques mois, 6 mois, le grand patron de la maison Couenon, M. Saint-Martin, me dit: oh, quel dommage, M. André, que vous ne soyez pas chez nous. Vous avez signé les trompettes avec l'Espagne. Je dis: oui, ça, c'est trop tard, j'ai signé. Mais vous avez tout un tas d'instruments de parade que je pourrais perfectionner et mettre au point, parce que tous les amateurs jouent ces instruments de parade. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les instruments de parade? Tous les instruments de fanfare. Avec ça comprend le corps de chasse, le clairon, la trompette de cavalerie, la trompette basse, et tous ces instruments de parade qui, vraiment, il y avait quelque chose à faire, les améliorer. Les améliorer pourquoi? Pour une seule raison, c'est pour permettre à tous les jeunes de toutes ces fanfares de village et dans tous les pays du monde d'avoir des instruments beaucoup plus faciles à jouer. Alors avec M. Saint-Martin, il m'a dit: vous vous prenez à la maison et vous sauvez en plus, si ça marche très bien, et ça commence à bien marcher, la vie de 30 ouvriers quand même, 30 gars qui étaient presque à la porte, ça déclinait. En ce moment, ce n'est pas négligeable. Vous avez à la main un clairon. Un petit clairon qui est une merveille. Vous pourriez nous le faire entendre? Ah oui, c'est une facilité. Je vais essayer de vous jouer comment s'appelle... Bien, maintenant, je vais vous demander de retrouver votre trompette à clé et puis de retrouver l'ensemble orchestral de Normandie et Jean-Pierre Berlinguen pour nous interpréter à nouveau une très belle œuvre. C'est le dernier mouvement du concerto pour trompette de Tartini. Thank you.
Nous allons maintenant, évidemment, on ne peut pas passer une émission avec Maurice André sans lui rendre hommage au plus grand compositeur du XVIIIe siècle. Je veux parler, bien évidemment, de Jean-Sébastien Bach. Alors, Jean-Sébastien Bach, Maurice joue de nombreuses œuvres de lui, mais il a choisi une mélodie que vous connaissez tous, encore que si je vous disais qu'elle est tirée, cette mélodie, d'une cantate qui s'appelle Herz und Mund und Tat und Leben, ça ne vous dirait peut-être rien. Herz und Mund und Tat und Leben, ça veut dire cœur et bouche et action et vie, et c'est le titre de la cantate BWV 147. Ça ne vous dit peut-être encore rien, mais si je vous dis que l'aria de cette cantate, c'est Jésus que... Voilà, après la beauté et l'émotion de ce Jésus que ma joie demeure, nous allons retrouver Maurice, mais avec simplement une instrumentiste, une harpiste, Catherine Michel, et avec surtout une trompette qui va vous montrer que Maurice, on l'a entendu, est un grand musicien, mais ça, il n'y avait pas besoin de cette émission pour le découvrir, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à tout ce qui
touche à la facture instrumentale et presque plus qu'à la facture. Je crois que j'aimerais que vous sortiez de ce sac cet instrument que j'ai vu tout à l'heure pendant que vous répétiez. Qu'est-ce que c'est exactement ? Exactement, c'est une sourdine. Ce n'est donc pas un instrument. C'est une sourdine qu'on met pour boucher la trompette, un élément qu'on rajoute à la trompette. Et j'ai eu tellement de problèmes de par le monde, dans les hôtels et partout, que je me faisais virer carrément. J'ai dit, il faut que je trouve quelque chose. Alors, il existe naturellement des sourdines, mais qui n'ont pas les 5 possibilités comme celle-ci. Avec celle-ci, on a 5 possibilités. On peut faire du classique, du jazz, comme on avait Maria et tout ça. Et naturellement, dans les studios, les gens allaient avant avec 5 sourdines, tous les trompettistes avec un sac et 5 sourdines. Maintenant, ils y vont seulement avec une. Ben alors, il faut que vous fassiez la démonstration des 5 aussi. Et oui, je vais essayer de vous faire la démonstration alors des 5. Alors ça, c'est d'abord quoi ? Ça, c'est alors, la sourdine. Alors ça, c'est la sourdine. C'est avec ça qu'on peut jouer dans un hôtel. Dans un hôtel, le petit frère qui fait de la trompette peut jouer à côté de sa sœur qui fait les devoirs, il ne gênera personne. Ah. Les clairons, parce que j'en fais pour les clairons, les trompettes de cavalerie, peuvent travailler à l'aise partout. J'aimerais bien entendre. Ah, oui. Etc. Ah oui. Alors ensuite, on découvre... Donc là, véritablement, c'est vrai que c'est complètement... Vous pouvez jouer dans une chambre à 1 mètre. Je ne sais pas si on peut réaliser avec le son, avec la télévision, mais à 1 mètre, vous pouvez faire vos devoirs, vous entendez derrière, vous gênez personne. Sans que le son perde de sa qualité. De sa qualité, et l'air se développe normalement. Ah. Et en plus, vous avez la sourdine bol, qu'on appelle, les jazzmen s'en sont beaucoup servis. Ensuite, vous avez la velvette qu'on appelle. Ouais. Ensuite, vous avez la sourdine classique, la sourdine sèche qu'on appelle. Souvent, dans les sourdines, on perd la justesse et beaucoup de choses que là, on perd absolument rien. Et puis pour les jazzmen, alors... Ça, la cinquième possibilité. La cinquième possibilité, les jazzmen qui font, on appelle ça, le plongers. C'est très, très bien. Ça, vaut mieux pas le faire dans un hôtel. Ah, oui, non, là, dans l'hôtel, on continue à se faire virer. À côté de ça, vous êtes content des gens que vous avez invités, puisque vous les avez invités. Vous êtes content, je crois, d'avoir invité la harpiste Catherine Michel. Catherine Michel. Quelques mots avant de la rejoindre sur Catherine. Catherine Michel, vous savez, la harpe est un instrument très souvent joué avec des doigts très, très fins, des doigts féminins, et le son n'est pas très, très... Que Catherine, bon, elle n'est pas la seule à très bien jouer, parce qu'on a une bonne école de harpe, mais Catherine, c'est une merveille de jouer avec elle. La sonorité de la trompette se marie très, très, très bien avec son jeu. C'est l'amour avec cette fille. Eh bien, tellement beau. Ça. Musical. Je vous propose de retrouver Catherine Michel, donc la harpiste. Et Maurice va nous interpréter successivement 2 Ave Maria. Un Ave Maria du début du 19e siècle, un Ave Maria de la fin du 19e siècle. Le premier, c'est bien sûr le célèbre Ave Maria de Schubert. Et le second, c'est le non moins célèbre Ave Maria de Gounod. Thank you.
Eh bien, nous allons revenir à Maurice André avec ses amis de l'ensemble orchestral de Normandie, toujours dirigé par Jean-Pierre Berlinguen, pour cette fois une œuvre du XXe siècle. Vous voyez, on a entendu beaucoup d'œuvres du XVIIIe, c'est le répertoire de base de Maurice André, quelques œuvres du XIXe, mais une œuvre du XXe siècle, une œuvre qui date de 1936, puisque c'est un extrait de Porgy and Bess, c'est le fameux Summertime. C'est un plaisir en même temps pour vous de toucher presque au jazz. Ah ben oui, je prépare là tout un disque maintenant. Londres me veut 5 microsions en 2 ans. Je ne pourrais pas faire. Alors ils veulent un Gershwin. Et donc cet extrait-là sera dans le disque que nous allons faire avec Jean-Pierre Berlinguen, puis un orchestre de studio à Paris. Bon, eh ben alors c'est une avant-première. C'est une avant-première, exactement, mais on vous les garde toujours pour vous, Alain. Vous êtes gentil. Summertime, Maurice André, Béatrice André, l'ensemble orchestral de Normandie, dirigé par Jean-Pierre Berlinguen. Voilà, une version originale, spécialement pour vous, de ce Summertime du Porgy and Bess de Gershwin, interprété par Maurice André, par Béatrice André, par l'ensemble orchestral de Normandie, dirigé par Jean-Pierre Berlinguen. Précisément, j'ai hésité sur le nom. Vous savez que j'ai failli hésiter sur le fait de l'avoir. C'est pas parce que j'ai failli hésiter, parce que Maurice André, comme moi-même, nous souhaitions avoir cet orchestre. Mais cet orchestre, il a failli ne pas venir. N'est-ce pas, Jean-Pierre Berlinguen? On est passé pas très loin d'une catastrophe. Alors, il faut que vous nous racontiez ça rapidement pour ceux qui n'ont pas été informés. Oui.
Pas très loin, effectivement. On vous en a voulu, on voulait supprimer l'orchestre, en gros. On voulait supprimer cet orchestre, qui était effectivement catastrophique. Et Dieu soit loué, tous nos amis artistes, dont Maurice André, bien sûr, le premier, se sont manifestés d'une telle manière que, ma foi, nos élus ont repensé un petit peu le problème. Et pourtant, c'est un orchestre qui, non seulement joue en Normandie, mais joue un peu partout en France, joue à l'étranger. Et il était, Maurice nous l'a dit, vous étiez ensemble en Allemagne, avec du succès. Je dois remercier d'ailleurs tous les gens, les élus locaux et tout le monde qui ont participé pour sauver cet orchestre, parce que c'est 10 ans d'un travail assidu par la personne de Jean-Pierre Berlinguin, qui est un des hommes les plus sérieux que je connaisse dans la musique. Et on n'a pas le droit, on n'a pas vraiment pas le droit, Alain, de détruire une formation de cette classe. Mais tout ça, je pense qu'il faut l'oublier maintenant. Bon, mais alors, est-ce que l'orchestre est définitivement sauvé? Pas vraiment définitivement. Nous avons un sursis d'un an. Bon. Alors, ce qu'il faut prouver en un an, mais c'est le propre de l'artiste, c'est une remise en question permanente. Quand nous entrons sur scène, ma foi, c'est un examen que nous passons jamais à chaque fois, c'est jamais gagné. En tout cas, vous l'avez compris, Maurice André vous l'a dit, moi je vous le dis aussi, et je pense que vous serez d'accord avec moi, il ne faut qu'aucun orchestre disparaisse. La mission des orchestres, c'est de répandre le plaisir musical. Vous êtes là pour le justifier, alors soyons tous vigilants pour cela. Eh bien, nous allons terminer en musique avec l'ensemble orchestral de Normandie, dirigé par Jean-Pierre Berlinguen, avec Maurice André, mais aussi avec Béatrice André, avec Nicolas André, puisque nous allons terminer avec le final du concerto de Telemann, le concerto pour deux hautbois et trois trompettes. Alors, les deux hautbois, c'est Béatrice André, et puis c'est le hautboïste de l'orchestre. Dominique Trocaz, une hautboïste. Une hautboïste, donc deux hautboïstes féminines. Et puis, les trois trompettes, c'est bien évidemment Maurice, son fils Nicolas. Et Philippe Gervais. Et Philippe Gervais, c'est avec eux que nous allons terminer cette émission en musique. Mais auparavant, je voudrais vous rappeler, Maurice, vous le savez, a enregistré des dizaines et des dizaines de disques. Je voudrais vous rappeler que son dernier disque publié chez EMI, comme la plupart de ses publications, est un disque tout à fait délicieux, un disque consacré aux musiques de kiosque. Cette fois, ce n'est pas avec votre orchestre, Jean-Pierre Berlinguen, ça sera le prochain. C'est avec un autre bon orchestre, l'orchestre de la Garde républicaine, dirigé par Roger Boutry. Vous vous êtes fait plaisir avec ce disque musique de kiosque. La musique de la Garde républicaine, je suis un petit peu cocorico, mais c'est la meilleure musique militaire au monde. C'est même plus de la musique militaire, parce qu'ils ont un nom dur à supporter pour le prochain, la musique de la Garde républicaine, mais je peux vous certifier que ce sont de grands artistes, avec Roger Boutry, Claude Pichereau qui a fait les arrangements, et c'était un disque où je joue tous les instruments, le cornet à piston qui a été délaissé, le bugle, la trompette, la petite trompette, je me suis régalé. Eh bien, régalez-vous aussi avec ce disque Musique de kiosque paru chez EMI, et puis n'oubliez pas, si vous voulez, vous le savez maintenant, c'est toutes les semaines pareil, si vous voulez retrouver toutes les informations que nous vous avons déployées pendant cette émission, c'est-à-dire les informations sur les œuvres, sur Maurice André, sur l'ensemble orchestral de Normandie, sur les disques de Maurice André, vous avez le numéro de notre serveur vocal, je vous le rappelle, 36 68 91 11, 36 68 91 11, en téléphonant, vous aurez tous ces renseignements. Mais pour le moment, il est temps de clore malheureusement cette émission. Le bon plaisir de Maurice André. Merci Maurice de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Et on termine donc en musique et dans le plaisir avec tous nos amis réunis pour le final de ce concerto pour deux hautbois et trois trompettes de Telemann. C'est avec Telemann que nous avons commencé, c'est avec Telemann que nous terminons. Merci à Maurice André, merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette heure, mais j'imagine que c'était un moment de plaisir. Et puis merci de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique et Compagnie. Thank you.
Thank you.